pillards vikings sont partout. Nos propres légions se livrent une guerre interne. Et voilà que le champion impérial frappe à ma porte avec son armée. Ce jour est celui des loups. On va voir ça. Le Rothschild. Le Rothschild a été envoyé. Oui, d'accord, on s'en connaît. On connaît. Apollyon. Normalement, c'est la dernière mission, ça. Cette map, je crois pas qu'elle soit utilisée dans le multi. Ils vont peut-être la rajouter au fur et à mesure. Je pense, parce qu'il y a pas mal d'environnements, en vrai, dans le jeu. Et, on les voit pas tous dans le multi, donc à mon avis, effectivement, ils sont en train de travailler dessus au fur et à mesure. À tous les renforts, ne perdez pas cette cour. Les samouraïs ont enfoncé la deuxième porte. Les voilà! Ah! Son épée, elle est géniale. La Légion de Fer est au pied de nos murs. Te voilà. Que comptes-tu faire, Holden? Holden Cross. Enfin. Partez. Retenez les samouraïs. Je m'occupe de la Légion de Fer. Ah. Du coup, les Vikings, ils se sont fait défoncer par contre. La forteresse de la Légion d'Obsidienne. Nous avions enfoncé les portes, obstrué les tunnels. Nous les tenions. Les catapultes étaient au niveau supérieur. Mais je crois pas que cette map est son ulti. D'obsidienne. Je l'ai arraché. La priorité était de détruire leur l'un des derniers chefs d'Ashfeld à se targuer d'être noble. À présent, les guerriers règnent en maître. Bonjour. Un émissaire. Voilà, il a rien compris. Et il a abandonné toute idée de se battre. Pardon. Ça fait une. Sentinelle. Aïe. Assez. Bonjour. Il est temps de rejoindre les autres. On peut descendre par là. On peut descendre par là aussi. Non. Wesh.
Wesh le crew. Je connais ce chevalier. Apollyon était là, quelque part. Elle ne m'échapperait pas. Voilà. Pas de temps. Comment ça? Il faut barrer les portes. Nous devions bloquer les accès pour empêcher les renforts d'entrer. Détruis ces portes! Tiens, puce, puce. Tiens, au respect pendant que je casse tous ces pots. Voilà. On se calme. Ces chevaliers sont malades. Pardon. Ils parlent en latin, eux. C'est logique. Ouais, donc déjà, ça s'est fait. Ça suffit! La forteresse était à nous. Okuma et moi pouvions partir en chasse. Ah, j'aurais bien aimé avoir une régène, dommage. Okuma. Mais bien sûr, pourquoi pas. Merci. Il est bien pratique ce monsieur. Nous ne pouvions que monter. Fuck! Pas question que leur chef s'enfuit. Je devais donner du temps à Okuma. Oof!
Non, tu meurs, tu meurs. Tu décèdes. Des flèches, soulève, vite! Pardon, je tue quelqu'un, j'arrive. Je fais une fatality et j'arrive. Avance. Tu vas y arriver. Je ne pouvais pas laisser fuir Apollyon. Je devais la trouver. Immunisé aux projections. Ouais, c'est mieux que rien. Du coup, ça veut dire... Ah non, il peut quand même me contrer. Vas-y! Où est ta... Putain, c'était chaud! Il m'a foutu le feu là, c'était un peu la merde! Avouez, vous avez cru que j'allais... Vous avez cru que j'allais mourir. Voilà. On fait comme on peut. Ils ont bien compris que c'était la merde. Nul ne peut vaincre, madame. J'aurai bientôt fait le tour du château. Et toi aussi, tu vas cramer. Eh ouais! Je vais pas venir celle-là. Je vois rien. J'entendais les chevaliers s'entretuer. La peur incarnée. Ouais, je vais plutôt prendre ça, moi. De la régène. Voilà. Je préfère. Wouah! Ah, les mouvements! Enfin, l'Empire du Levant est arrivé. Soumets-toi, Apollyon. Sans façon. Ah. Je l'avais trouvé. Il me restait à survivre. Ah.
Premier samouraï à atteindre cet endroit. Je te dis. Je n'ai pas peur de toi. Calmez-vous. Hein. Peu de régène. Donc. Tu es le premier samouraï à atteindre cet endroit. Je te félicite. Elle a trop de vie. Tu es le premier samouraï à atteindre cet endroit. Je te félicite. Un coup de pommeau, c'est pas sympa. Ça va être un combat en plusieurs phases. Oh, ah ça c'est pas passé loin. Oh, baston dans l'escalier. Ses talents dépassaient les miens. J'allais devoir me surpasser. Mes ancêtres, soutenez-moi. C'est peut-être toi que j'attendais. Montre-moi ta vaillance. Te. Très très forte. Je pense qu'elle fatigue. Non, peut-être pas. La mort nous attend tous. Le guerrier est celui qui ne laisse pas cette certitude l'empêcher de faire son devoir. Viens donc, guerrière. Le dénouement était proche. Non. Ah.
D'accord. Ok. Je pensais pas que ce serait toi. Ça faut l'esquiver. Voilà. J'ai du bol. Je dois te vaincre. Eh ouais, Batosai. C'est fini. La paix va régner. Je veux voir son visage, moi. La paix. Alors, et maintenant, vous rentrez tous chez vous. Vous êtes venus chez moi. Alors calmez-vous. À la tête de vos armées. Que croyez-vous qu'il advienne ? La paix ? Le monde ne fonctionne pas ainsi. Ah bah allez là les Vikings. Ne nous parlez pas de vos vertus. Le devoir. Le clan. L'honneur. Vous avez renié votre nature. Tu ne veux... que la guerre. Tout ce que je veux est que vous acceptiez votre nature. Vous tous. Mais Lou. Eh oui, l'homme est un loup pour l'homme. Vous savez tout. 7 années de guerre et de sang. Apollyon s'est joué de nous. Elle nous a manipulés. Pourquoi ? Pour tuer les faibles. Pourquoi nous as-tu appelés, Cross ? Ce n'est pas moi. C'est ma sentinelle qui m'envoie. Pour s'excuser. Comment ose ? Mes frères sont morts par milliers ! Vas-y. C'est l'occasion de te venger. Nous nous sommes parlé, comme ta sentinelle le souhaitait. Mais quel est son but ? La paix.
La paix. Même si c'était possible, ce n'est pas notre rôle. Est-ce un but si méprisable ? Eh bien, non, mais... Ah. Ici, et maintenant... Disons que ça ne tient qu'à nous. Nous courons tous au suicide. Vous le savez. Mais ça ferait une belle histoire. Eh ben, c'était bien cool. C'était bien cool. Savoir est-ce que effectivement est-ce que la paix c'est vraiment possible. C'est plutôt actuel en plus comme thème en vrai. Après les siècles de guerre incessante entre les peuples, c'est vrai que c'est une question qu'on a le droit de se poser. Est-ce que la paix vraiment ça existe? Rien que ça déjà. C'est plutôt cool. Moi je trouvais plutôt sympa ce mode solo. C'est effectivement un gros tuto, mais je trouve qu'il est plutôt bien enrobé. Donc on va juste regarder s'il n'y a pas encore un truc en plus. Je pense pas. Je pense que c'est fini. Je pense que c'était la dernière séance, la dernière séquence, et le rideau sur l'écran va donc bientôt tomber. Comme ça, je pourrais aller tourner encore 2 heures de plus sur Horizon Zero Dawn. Félicitations, vous avez terminé le mode histoire. Vous pouvez maintenant participer à la guerre des factions. Parce que la paix, c'est bien joli, mais la guerre, c'est quand même vachement mieux. Vous avez votre faction multijoueur, d'accord. Ok, et ben voilà les gens. For Honor, c'est terminé. Oh, 4700 pièces. Ah oui, donc quand tu finis le solo, tu gagnes, voilà. Tu peux acheter presque une provocation, quoi. C'est ouf. Enfin, une exécution, plutôt. Ok, bah écoutez les gens, on va se quitter, et merci d'avoir suivi cette petite épopée d'épisodes courts sur For Honor. On va pouvoir avoir un peu moins d'épisodes dans la semaine, ça va faire un peu moins de taf. Mais n'oubliez pas qu'il y a Horizon, qui sera diffusé à partir de vendredi, donc tous les vendredis, Horizon Zero Dawn, 2 épisodes je pense, je vais essayer de faire ça. Et du coup Zelda, vous aurez samedi 2 épisodes aussi. Voilà. Et dimanche, 2 épisodes de FF15. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes par semaine, truc, putain. On n'a pas le temps de regarder, on n'a pas le temps, putain. Faut regarder les autres youtubeurs, Gilo Game et tout. Allez, des bisous les gens, et encore merci d'avoir regardé, et voilà. Et n'hésitez pas à tester le jeu si vous avez une PS4, ou une autre console. Non, je crois qu'il est sur les 3 supports, de toute façon. Xbox One, PS4, PC. Si ça vous tente, je ferai peut-être une vidéo bonus du multi, un de ces 4. Pour montrer un peu comment ça se passe en multi, c'est basiquement comme dans le solo, hein. Sauf que bah les gens ils sont un peu plus vénères et que les IA elles sont capables de gagner des parties contre vous, hein. C'est pas un problème. Ça arrive souvent. Donc voilà, je vous fais des bisous et encore des bisous.